Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis désolé, mon micro ne fonctionne toujours pas, mais j'en ai commandé un autre qui devrait arriver à la fin de la semaine. Donc encore excusez-moi pour la qualité du son, mais bon, ça a l'air de quand même être assez satisfaisant, donc tant mieux. Mais en tous les cas, je suis vraiment désolé, le micro arrivera bientôt. Donc on va sans plus attendre aborder l'actualité du jour. Donc on va parler de l'entraînement, puisque trois nouveaux joueurs se sont entraînés avec le groupe professionnel aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler de la sélection camerounaise avec un vert qui en fait partie. On va également parler de l'arbitre de la rencontre face à Dijon, il est désormais connu. Et enfin, je voulais revenir sur la liste des bleus, puisqu'il y a un ancien Stéphanois qui en fait partie. Donc déjà, on va aborder le cas de l'entraînement du jour. Donc les verts, il faut savoir qu'ils ne se sont pas entraînés lundi et mardi, puisque Claude Puel les a laissés au repos après leur rencontre de dimanche soir face à Lille. Ils avaient 2 jours de repos pour enchaîner la dernière semaine et le match face à Dijon qui se déroulera également ce dimanche. Donc à tous les cas, voilà, les Verts se sont entraînés aujourd'hui, premier entraînement de la semaine ce mercredi. Et il y avait trois nouveaux jeunes. Donc tout d'abord, il y avait un défenseur qui est Steven Leleu, qui est âgé de 20 ans. Ensuite, un milieu de terrain, Matisse Saban, qui a 19 ans. Et enfin, on retrouvait l'attaquant Yanis Léry, qui est âgé de 18 ans. Donc ce sont ces trois joueurs qui se sont retrouvés avec le groupe professionnel. Normalement, ils jouent avec la réserve. Bah, ils jouent avec la réserve, pas normalement. Mais en tous les cas, ils se sont entraînés avec les Verts. Ce sont trois joueurs qui sont assez prometteurs, hein, qui viennent tous du centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Un centre de formation qui s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Et ça fait plaisir à voir, car on sait très bien que dans le foot de maintenant, c'est plus du foot business. Si on n'a pas l'argent, c'est compliqué de rivaliser avec les autres équipes et pouvoir s'appuyer sur un très bon centre de formation pour sortir des bons joueurs et puis tout d'abord les faire évoluer avec le groupe pro, comme ça a été le cas par exemple de Wesley Fofana ou encore William Saliba, et ensuite les revendre pour des prix assez chers. Parce qu'on sait que les prix maintenant s'envolent, peut-être qu'avec le Covid, les clubs vont mettre un peu plus le frein et n'oseront pas dépenser les prix qu'ils dépensaient avant. Mais en tous les cas, c'est important de pouvoir s'appuyer sur un bon centre de formation pour vendre nos joueurs à des bons prix et ensuite pouvoir recruter. Donc c'est ces trois joueurs qui se sont entraînés avec les Verts ce matin à l'entraînement. Donc voilà, un à chaque poste, un défenseur, un milieu et un attaquant, qui se sont entraînés avec le groupe professionnel et qu'on verra certainement plus l'année prochaine évoluer en tant que professionnel en Ligue 1. C'est tout à fait possible pour eux. Je l'espère en tout cas, puisque c'est quand même des noms qui sont assez prometteurs pour l'AS Saint-Étienne. Maintenant, je vais parler de Neyou, puisque Neyou a été sélectionné avec le Cameroun. Il va honorer sa première sélection avec l'équipe camerounaise. Harold Mukoudi avait été également convoqué. Normalement, il avait été présélectionné tout comme Neyou, j'en avais déjà parlé avant, mais cette fois c'est officiel, il va être avec le Cameroun. Mais malheureusement, Mukoudi s'étant blessé contre Marseille, il ne pourra pas honorer sa sélection avec l'équipe camerounaise. Sa saison est terminée avec Saint-Étienne, sa saison est même terminée en équipe nationale. Il ne reprendra que à partir de l'année prochaine. D'ailleurs, oui, après le match face à Dijon, les Verts auront 5 semaines de repos avant de renchaîner avec la préparation de la nouvelle saison. Et donc c'est à cette occasion qu'on reverra Harold Mukoudi évoluer sous le maillot vert. Dans tous les cas, Neyou est sélectionné avec le Cameroun. Il va jouer 2 matchs avec cette équipe camerounaise début juin. Ce sont 2 matchs amicaux. Donc Neyou n'est pas encore officiellement en vacances après le match contre Dijon. Il va encore honorer les couleurs de son club début juin. Donc on peut imaginer lui qu'il va reprendre un peu plus tard et qu'il ne sera pas à la reprise 5 semaines après le match contre Dijon. Donc ça va nous emmener fin juin. Je pense qu'il aura encore une semaine de rab rajoutée par le club pour qu'il ait assez de temps pour se reposer. Mais félicitations à Neyou qui va être en sélection avec le Cameroun pour la première fois, et c'est amplement mérité au vu de sa saison qu'il réalise au milieu de terrain, alors que Saint-Étienne est allé chercher à Braga où il évoluait avec la réserve. Mais cette année, c'est incroyable comment il a explosé et il a montré vraiment que je ne sais même pas pourquoi il joue avec la réserve de Braga, comment ils ont pu faire l'erreur de le mettre dans la réserve, c'est incroyable. En tous les cas, Saint-Étienne a vraiment fait une bonne affaire
Et Neyou pourrait même prolonger son contrat avec les Verts. Et ça pourrait être une bonne chose pour qu'on puisse encore s'appuyer sur lui. L'année prochaine, il faut essayer de le garder. Vraiment, il nous fait du bien. Et un milieu de terrain, Camara, Neyou, Gourna, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable pour les Verts et qui permet, quand on a un milieu de terrain de toute façon qui est compétent, ça nous permet d'être, de répondre sur le terrain tout simplement, hein, puisque le milieu de terrain, c'est quand même la chose la plus importante. C'est les joueurs qu'on parle le moins, mais c'est les joueurs qui font le plus de boulot. Sans milieu de terrain, c'est compliqué, hein, puisque passer de la défense à l'attaque, ça fait que des longs ballons devant. Et puis dans la récupération de balles, c'est compliqué. Si on n'a pas de milieu de terrain, en tous les cas, on a vraiment trouvé des bonnes personnes à ce poste cette saison. Et ça, c'est vraiment super pour les Stéphanois. Ensuite, on va parler de l'arbitre de la rencontre face à Dijon. Il s'agit d'Anthony Gauthier. Il a déjà arbitré les Verts 3 fois cette saison. Ça va être la quatrième. La première fois, c'était contre Nantes, la quatrième journée de Ligue 1 où les Verts avaient fait 2-2 face à l'équipe nantaise. Ensuite, c'était la défaite face à Strasbourg quand les Verts étaient décimés tout début janvier avec le Covid. Là, il y avait presque plus de joueurs dans l'effectif. On avait perdu 1-0 et pourtant on avait fait un bon match, je me souviens, face à Strasbourg. Et enfin, la dernière fois, c'était la rencontre face à Reims où il y avait eu le rassemblement des supporters juste avant le match. Un match qui s'était terminé sur le score de 1 partout face à l'équipe de Reims. En tout, dans sa carrière, Anthony Gauthier a arbitré 33 fois l'équipe stéphanoise. Et le bilan est incroyable puisque c'est 11 victoires, 11 nuls et 11 défaites. Donc vraiment un bilan qui est totalement incroyable hein, puisque tout est à égalité. J'espère que les victoires passeront devant et on sera 12 victoires à l'issue de cette rencontre. Mais en tous les cas, le match face à Dijon est quand même important puisque les Verts ont dit qu'ils n'ont plus d'objectif. Mais ils en ont quand même un puisque le top 10 est totalement envisageable. Metz se déplaçant. Jouant contre Marseille, les Verts peuvent prendre la 10e place si on bat Dijon. Donc vraiment, rentrer en première partie de tableau, ce serait vraiment incroyable, alors que l'on n'imaginait même pas les Verts il y a 3 mois terminer au-delà de la 15e place. On avait même peur qu'ils descendent en Ligue 2. Mais si on pourrait terminer à cette 10e place, ça pourrait remonter un peu le moral de tout le monde et faire un peu oublier tout ce qui s'est passé avant durant cette saison. Donc voilà, le dernier match face à Dijon est quand même important, je trouve. Et je voulais aussi revenir sur la liste des Bleus, puisque Kurt Zouma, le joueur qui évolue à Chelsea de 27 ans, est convoqué avec l'équipe de France, hein, le joueur formé à l'AS Saint-Étienne, qui a notamment gagné la Coupe de la Ligue avec les Verts, va honorer une sélection en équipe de France et pourra jouer l'Europa League. C'est un joueur important dans l'effectif de Chelsea, puisque notamment dans le championnat anglais. En première ligue, il a joué 24 matchs et a marqué 5 buts cette saison. Pour un défenseur, 5 buts, c'est vraiment pas mal. On sait qu'il a un très bon jeu de tête, ça on le sait très bien du côté de Saint-Étienne. En tous les cas, voilà, Kurt Zouma est convoqué avec les Bleus, vraiment mérité pour lui. On parle beaucoup de Karim Benzema, forcément, ça fait parler, puisque ça faisait 6 ans qu'il n'était pas là. Mais Kurt Zouma, ça fait plaisir de voir un Vert sous le maillot de l'équipe de France, même s'il n'évolue plus à Saint-Étienne. Mais ça fait longtemps que malheureusement aucun Vert n'est sélectionné avec l'équipe de France. J'espère que ça va bientôt pouvoir changer. Mais un Mathieu Debuchy aurait par exemple pu disputer la Coupe du Monde. Mais ça, c'est une autre histoire malheureusement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!